film, c'est le jour où maman est devenue un monstre. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Candice, qui habite toute seule avec sa mère peu de temps après la séparation de ses parents. Il y a son anniversaire qui approche et du coup elle est super contente, elle a l'idée de revoir son papa. D'un coup, sa mère commence à changer et devenir de plus en plus étrange. C'est un film que j'ai fait dans le cadre de mes études, donc c'est un film produit par Lesra Paris. Premier court-métrage que j'ai réalisé toute seule et écrit toute seule. Avant, j'avais fait d'autres courts-métrages, dont Margot, qui était co-réalisé avec mon collectif Les Films de la Mouche. Et il était là l'année dernière en compétition. Alors, c'est un film que j'ai réalisé en avril 2017. Et je travaille dessus depuis septembre 2016. Enfin, la post-prod s'est terminée en juillet 2017 et depuis, il tourne en festival. Le fantastique, pour moi, c'est quelque chose qui permet une puissance métaphorique infinie, donc c'est super intéressant. J'aime bien quand il y a des éléments un peu magiques, pas forcément fantastiques, mais quand il y a un peu de souffle dans les films. J'aime beaucoup ce festival, je commence à devenir inhabituée vu que c'est ma deuxième fois ici. C'est vraiment un festival hyper cool et les gens sont super adorables. Clap.